La météo avec un temps très nuageux aujourd'hui, on ne verra pas beaucoup le soleil, sauf en Méditerranée. Hein. Oui, en tout cas sur les régions du Nord, eh bien, le temps va rester bien nuageux, bien gris aujourd'hui. Ce sera le cas notamment sur l'île de Wight, située au sud du Morbihan. On a relevé d'ailleurs 219 habitants seulement sur l'île de Wight au dernier recensement qui date de 2019. Donc on salue évidemment les habitants de cette jolie petite île bretonne. Alors au programme aujourd'hui, eh bien, un temps très très nuageux. On retrouve localement un petit peu de brouillard le long de la Garonne et puis toujours du vent en Méditerranée. Avec donc conséquence du grand beau temps, ciel parfaitement dégagé autour du golfe du Lion ou encore au pied des Pyrénées. Toujours de la neige sur les Alpes du Nord ou encore sur les Alpes du Sud avec un risque d'avalanche particulièrement marqué aujourd'hui. Et puis dans l'après-midi, eh bien, regardez, très peu d'évolution, quasiment la même carte du soleil dans le sud et toujours un temps nuageux sur les deux tiers du pays. Un temps vraiment très brumeux, très nuageux, un petit peu de neige également attendu sur les régions centrales. Et bien les températures toujours hivernales, moins 7, moins 8 degrés actuellement sur les régions centrales. Il fait froid également à Annecy ou encore à Chambéry, 0 degré à Paris ou encore moins 1 degré à Lille. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures resteront toujours en dessous des normales de saison, 4 degrés en moyenne à Dijon, 5 degrés à Bordeaux ou encore 2 petits degrés du côté de Clermont-Ferrand. Suite du programme demain, on va surveiller le retour de la neige en plaine entre la région Poitou-Charentes et le Nord-Est. Et puis vendredi et samedi, de belles journées avec du soleil. On part à présent en Algérie. Regardez ces jolies images, et oui, de la neige dans le Sahara algérien. On a eu localement quelques centimètres de neige. On devrait de nouveau avoir de nouvelles chutes prévues à partir de vendredi. En tout cas, ça donne des images splendides. Même les dromadaires ont apprécié.